Okay, on continue. C'est pour Billy. Buat Kak Billy nih, dari Piflipuff. Kak Billy mau tanya, emang beneran bisa ya, cuma dalam waktu 6 bulan bisa sampai ke level B2? Soalnya bahasa press aku nol banget nih. Nah, bisa gak tuh Kak Billy? Bisa gak ya? Oh ya, sebelumnya nih Kak Billy nih nilainya bagus banget nih B2-nya nih. Waduh. Berapa Kak Billy, lupa, 80 berapa? 87,5. Tuh, 87,5. Soalnya banyak yang dapat 50 aja tuh kesusahan. Oke nih, jadi Kak Billy 87,5, terus satunya juga yang terbaik se-Indonesia, mantap banget. Nah, jadi pertanyaannya, emang bisa ya Kak Billy dalam 6 bulan bisa sampai kayak gitu? Jawaban singkatnya, bisa banget. kalau mau jawaban panjang ya, gimana ya? Sebenarnya awalnya jujur, waktu saya lihat program Study France, itu super intensif hanya sebenarnya nggak sampai 6 bulan ya menurut saya. Iya, buat Kak Billy. Iya, nggak sampai 6 bulan. Dan itu targetnya bisa sampai level intermediate, level menengah ke atas ya. Iya. Kalau B2 itu. Dan awalnya juga agak istilahnya skeptical gitu. Agak kurang yakin bisa nggak sih kalau dengan waktu yang nggak panjang itu bisa ngomong bahasa Prancis sampai level itu. Tapi sebenarnya kalau ya, itu tergantung kita sih sebenarnya ya. Kalau kita ngikutin program, itu cukup untuk kita bisa sampai sana. Tapi kalau kita memang mau dapat nilai plus, kita harus ngasih effort lebih. Kayak harus ada semangat dari dalam gitu. Kalau misalnya udah selesai kelas, juga cari-cari konten YouTube misalnya, nyari vlog-vlog yang bahasa Prancis. Di luar kelas juga baca-baca artikel yang bahasa Prancis. Jadi kita nggak lose touch sama bahasa Prancis walaupun kita di rumah. Dan itu yang akan bakal make a difference kalau kita ngomongin tentang kemampuan kita berbahasa Prancis. Jadi in conclusion, bisa, dan bisa dimaksimalin lagi dengan effort yang kita kasih. Itu jawabannya. Jadi intinya bisa banget. Asalkan lihat lagi, benar-benar harus ngikutin program. Kalau misalnya nggak ada programnya, apalagi anak-anak Indonesia nih, kalau nggak dibuatin program, udah ada hilang-hilangan pasti. Jadi dengan program yang baik dan dari balik ke diri sendiri, kayak tadi tips dari Kak Billy tadi itu, bisa dicoba diterapkan lah, YouTube atau film Prancis di Netflix juga banyak banget, bisa didubbing pula. Jadi kayak nggak ada alasan lah, apalagi sekarang lagi pada di rumah aja kan, jadi bisa lebih maksimal. Oke, terus dari Fletilage, untuk Kak Leo nih, Kak, quelle est la première chose qu'on devrait faire en arrivant à Paris? Alors, sachant que je suis moi-même allé à Paris que deux fois, que trois fois dans ma vie, c'est assez compliqué de répondre précisément à cette question. de manière générale, les choses qu'il ne faut pas faire quand on arrive à Paris, c'est faire tous les trucs classiques de Paris d'un coup, déjà. Je pense que c'est prenez votre temps, posez-vous. Vous allez voir, Paris, c'est une ville qui est très speed de base. Donc, essayez de prendre le temps de vous poser, faites une activité par semaine, vous allez voir, vous avez le temps. Il y a énormément de choses à faire à Paris, il y a énormément de choses à faire aux alentours de Paris. Vous avez la Bretagne, la Normandie qui sont pas loin, qui sont des très beaux endroits aussi, qui sont pas chers si vous voulez y aller en train ou en bus ou comme vous voulez. Du coup, voilà, le vrai conseil que je donne aux touristes, c'est prenez votre temps. Ne faites pas les circuits touristiques en une semaine. Vous allez vous perdre déjà et vous allez gâcher un peu votre expérience de touriste. Et c'est comme ça que vous allez le mieux apprécier votre temps en France. Ok. Et pour Billy, qu'est-ce que tu aimerais bien faire quand tu arrives pour la première fois? Prendre un café dans une terrasse. Peut-être j'ai envie de goûter les plats. Ah, bien sûr. Peut-être les vrais croissants, tu vois. Parce qu'ici, c'est pas du tout de croissants. Ah non, c'est pas. Je peux confirmer, c'est tout pas à fait, du tout à fait. En plus, tu es pâtissier. Donc... Ouais, je suis pâtissier, donc... je connais. Ok. Donc, ok, on continue là aussi. C'est de Pujus Grimm. Demande la vie d'étudiant en France. En général, c'est comment? Et aussi, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers en France ou pas? Je sais qu'il y a énormément d'étrangers, d'étudiants étrangers en France. Pour ce qui est de la vie étudiante de manière générale, en fait, c'est assez simple dans le sens où, surtout les premières années de licence, par exemple,
vous allez avoir un emploi du temps à l'école, enfin à l'université, qui est assez peu chargé au final. Donc, vous êtes vraiment assez tranquille, quoi. Vous pouvez vraiment avoir le temps de prendre vos marques dans votre nouvelle ville, au final, que vous allez rester pendant quelques temps. En 2019, il y a eu 90 000 nouveaux étudiants étrangers dans les universités en France. Et ça augmente chaque année. La vie étudiante en France, c'est pas mal de fêtes quand même, hein. Oui, oui. Donc, après, pour le nombre d'étudiants étrangers, bon, moi, je connais pas mal d'Indonésiens en France. Bon, en fait, c'est beaucoup. Ouais. En fait, déjà, vous avez le programme Erasmus en France. Donc, il va y avoir beaucoup d'étudiants européens, non français. Mmh. Donc, des Anglais, des Belges, des Allemands, des Espagnols, quasiment tous les pays européens participent à Erasmus. Vous allez avoir beaucoup d'étudiants asiatiques. Il y a de plus en plus d'étudiants chinois et d'étudiants japonais. Il y a beaucoup d'étudiants du Maghreb aussi. À ce niveau-là, vous ne serez vraiment pas les seuls. Et de toute façon, dites-vous que la France est un pays très, très métissé de manière générale. À partir du moment où vous êtes dans une grande ville, vous ne serez pas le seul étranger, vous ne serez pas le seul asiatique. C'est multiculturel, la France. Ouais, voilà. Personne ne va vous regarder dans la rue comme les gens me regardent en Indonésie des fois. Non, mais après, ça ne me dérange pas, mais disons que c'est surprenant et vous n'aurez pas ce... Vous n'aurez pas trop ce regard-là en France. Ok, merci. Ok, on continue. Ça, c'est bon, c'est plutôt pour moi. Dari Nabil Nahdi. Mau tanya, sistem pendidikan yang diterapkan oleh kampus-kampus di negara Prancis itu sama dengan di Indonesia ataukah berbeda? Lalu kalau anak SMK tata boga yang ingin kuliah di jurusan ilmu sosial, akan ada hambatan atau tidak ya? Nah, untuk sistem tadi sudah dijelaskan sama Kak Leo untuk lulus sistem sekolah untuk anak SMK tata boga. Nah, ini yang menarik di Prancis, kalau untuk anak-anak SMK itu bisa karena jurusan di Prancis itu banyak banget. Jadi kamu bisa aja ngambil ke misalnya restoration atau misalnya manajemen perhotelan juga masih bisa masuk. Jadi gak menutup kemungkinan kalau kamu ngambilnya itu beda jurusan, jadi gak yang cuisine-cuisine aja tapi berbelok ke ilmu sosial gitu. Di Study France juga ada SMK-nya multimedia tapi ambilnya perfilman gitu. Kan masih ada lah sejalur gitu. Oke. Sepertinya sudah semua ya. Oh, satu lagi nih dari Extrude. Leo, c'est pour le coût de vie en France. Est-ce que c'est plus cher ou c'est moins cher? De manière générale, tout est plus cher de toute façon. Oui, bien sûr, voilà. C'est la France. C'est ouais, alors je sais pas, oui, c'est l'euro en fait, c'est dû à l'euro, hein. Mm-hmm. Mais bon, après, les salaires des Français sont pas les mêmes non plus, enfin, donc c'est sûr que tout est nivelé avec ça, quoi. Ouais. Ok, je pense que c'est tout. C'est pour les questions. Oui, il y a pas mal de questions. J'ai juste un petit truc à rajouter par rapport tout à l'heure, on parlait du système à l'université, okay, mais j'imagine que vous pouvez aussi aller en IUT, non? Oui. Ou en BTS. Ouais. Alors, il faut savoir que ces deux-là, si vous avez, pour les gens qui ont un peu peur d'être perdus à l'université dans ces grands amphithéâtres, il faut savoir que les BTS et DUT, c'est toujours des classes plus petites, avec moins d'amphithéâtres, justement. Et surtout, vous allez avoir un professeur qui va être votre professeur attitré, on va dire, qui va vraiment vous suivre, vous donner vraiment plus des conseils personnels. Vous allez avoir des temps en fait où vous pourrez discuter avec votre professeur. Pour les étudiants indonésiens qui auraient peur justement de ce grand bain de l'université, qui est un truc méga, hein, parce que des fois il y a, j'imagine que c'est pareil en Indonésie, hein, mais l'université c'est toujours énormément d'élèves et des classes très très grandes. Voilà, vous avez toujours cette solution d'aller en BTS ou en DUT, qui sont des trucs plus petits. Et surtout, ça ne vous ferme pas la porte derrière pour rentrer à l'université. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, vous finissez avec un bac plus 2, ouais, avec un BTS ou un DUT, et vous pouvez rentrer après sur dossier en licence pour passer en un an votre licence. Mm-hmm. C'est troisième année, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous rentrez directement en troisième année. Oui, en plus, c'est plus pratique. Voilà, c'est ça. J'ai énormément d'amis qui ont fait comme ça et c'est vraiment pas un problème. Ok, très bien. Billy, tu veux ajouter quelque chose? En fait, juste une chose. Problemnya di Indonesia kalau untuk nggak milih BTS sama DUT itu kan karena mereka kan ekuivalennya kan D3 ya, Mademoiselle. Oui. Nah, kebanyakan kayak orang tuh nggak terconvince bahwa itu tuh juga kayak satu option gitu loh, Mademoiselle. Yeah, karena mereka betul. Mungkin mikirnya kan kayak ya harus S1 dong, harus kayak yeah, mungkin ada pressure dari orang tua, harus kayak ada pride. Betul-betul, ya, di Indonesia gitu. D3 kan kayak kurang.
ya cuma mau ngeyakin aja sih sebenarnya, mau BTS mau DUT walaupun ekuivalennya ada 3, kita bakal dapat kualitasnya tetap sama, dan kalau kita juga berusaha lebih dan itu passion kita juga, kita bakal sama-sama bakal sukses juga. Tapi ya itu poinnya, kalau itu passion kita dan kita ngasih effort lebih, pasti bakal tetap sukses juga kok. Betul banget, betul banget. Jadi emang yang infonya masih sangat minim ini, mereka kan taunya hanya S1 ya, 1 S2 gitu. Tapi info soal D3 di UTBTS ini masih belum sebanyak lisans. Jadi di Prancis itu ada yang namanya DUT dan BTS setara dengan D3, tapi hanya 2 tahun. Kalau di Indonesia kan 3 tahun. Dan sangat praktikal, jadinya 70% praktek, 30%-nya teori gitu. Jadi kebalikannya universiti. Dan jangan dikira itu gampang masuk di BTS. Justru BTS itu sangat menuntut, karena praktek kan, jadi benar-benar harus, anaknya tuh harus cepet gitu loh, harus sigap banget. Dan tadi kan Leo juga bilang, personal nih dosen-dosennya kayak benar-benar membimbing, jadi kalian gak bisa tuh namanya kabur-kaburan gitu. Terus, ya, tapi bagus banget buat praktek kalau mau punya skill yang bagus di dunia kerja nantinya. Nah, di Prancis juga BTS ini dan di UT sangat dihargai karena mereka perusahaan-perusahaan nganggapnya juga lulusan BTS pasti skill. Karena mereka kan dididik sebagai profesional, jadinya lulusan-lulusannya pasti skill-skillnya sudah memadai lah untuk langsung masuk dunia kerja gitu. Jadi D3 di Prancis itu bagus banget juga. Jadi jangan apa ya, jangan gengsi lah. Bahkan misalnya universitas kemarin, Dimas anak studi Prancis juga, universitas perfilman ada yang minta B2, tapi ternyata pas di BTS ada yang minta C1, C2. Berarti kan nivonya lebih tinggi di BTS gitu. Iya. Dan juga beberapa DUT sama BTS harganya belum naik kan manusia? Belum. Nah ini dia nih, berapa biaya? 3 juta, 4 jutaan per tahun? Iya, 3 juta, 4 jutaan per tahun untuk di BTS dan di UT. Jadi, dan cuma 2 tahun gitu. Habis itu Leo juga bilang kalau tinggal lanjut 1 tahun lagi untuk punya gelar lisans. S1, dapat diplom S1. Oke deh kalau gitu, kayaknya kita ngomong sudah lumayan panjang nih. Jawab-jawab banyak banget pertanyaan. Terima kasih untuk Leo dan Billy. Sudah mau bantu tadi sama-sama jawab pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Mungkin nanti lain waktu kita bisa Q&A lagi tentang hal yang berbeda. Mungkin nanti kalau Kak Billy sudah di Perancis, terus Leo juga sudah kembali ke Toulouse, ternyata kalian ada sama-sama di kota Toulouse, bisa kita ngobrol-ngobrol tentang tentang Toulouse sendiri gitu, gimana sih di Toulouse. Pasti kan seru banget tuh. Oke, sampai di sini untuk hari ini. Encore merci, Leo et Billy. Et à très bientôt. À bientôt.